Vainqueur de Montpellier en match en retard en milieu de semaine, Nantes veut enchaîner pour retrouver la première moitié de classement. C'est évidemment le souhait des supporters canaris, d'autant plus face au rival rennais qui n'a plus été battu à la Beaujoire depuis 14 ans. Belle ambiance à la Beaujoire, digne des plus belles heures du derby entre Nantes et Rennes. Les Rennais irrésistibles depuis la prise de fonction de Julien Stéphan, avec 3 victoires en championnat qui leur permet de pouvoir viser l'Europe actuellement. L'ouverture du score est pour les Nantais avec ce but de Diego Carlos. Mais après visionnage de la vidéo, Monsieur Buquet va s'apercevoir que le défenseur brésilien s'est aidé de la main pour tromper Thomas Koubek. Le but est logiquement refusé. On en reste à 0-0. Mais au quart d'heure de jeu, coup franc en beauté par Atem Ben Arfa et repris par Damien Da Silva, qui avait déjà marqué en Coupe de la Ligue lors de la qualification de Rennes face aux Canaries. Et bien c'est lui qui ouvre le score, Damien Da Silva, avec cette tête décroisée hors de portée de Tataru Sanou. C'est la 3e opposition de la saison entre les deux équipes. À l'aller, un but partout. Et on le disait, en Coupe de la Ligue, BKT, c'est Rennes qui s'était imposé 2-1 grâce à Damien Da Silva en toute fin de rencontre. Damien Da Silva permet aux hommes de Julien Stéphan donc de mener 1-0 à la pause, mais les hommes de Vaidaïdodzic vont essayer de revenir, vont pousser la tête du Belge Limbombé qui rebondit sur le haut de la transversale de Koubek. Nantes insiste avec Majid Waris qui passe devant Mécher, parvient à centrer la tête de Limbombé qui trouve le poteau. Incroyable déveine des Nantais cet après-midi. Il était complètement battu, Koubek, et Da Silva en retard. Limbombé toujours dans les bons coups. Elle s'excuse auprès de ses partenaires. Il y avait peut-être un coup plus collectif à jouer. Le ballon de Valentin Rongier dans la surface de réparation pour Majid Waris. C'est coupé mais pas suffisamment appuyé. Les situations se sont multipliées pour les Canaris sans parvenir à marquer. La malédiction contre Rennes à la Beaujoire se poursuit pour les Nantais. Première défaite à domicile pour les Canaris depuis l'arrivée d'Ailodzic. Et 4e victoire consécutive sans prendre de but pour les hommes de Julien Stéphan qui ne sont qu'à 4 points du podium.